Mademoiselle. Dis donc, je suis impressionnée. C'est que vous avez vraiment bien enquêté. J'ai pris connaissance de toutes vos hypothèses et effectivement, beaucoup tiennent la route. Pour commencer, je pense que nous pouvons clore l'affaire de la queue de dinosaure. Après l'aveu du serpent, vous en avez conclu que c'est lui qui en avait fait son festin. Bon, j'irai prévenir la cuisinière. Il faut qu'elle prépare quelque chose d'autre pour les fêtes du roi. Quant aux autres pistes, nous allons aller encore interroger plusieurs habitants du royaume, comme ça nous aurons encore plus de preuves. J'ai ici regroupé vos fleurs pour faire un énorme bouquet. Allez, allons de ce pas voir la couturière. Madame la couturière, bonjour. Oh, dites voir, ça n'a pas l'air d'aller. Tenez, voici un joli bouquet de fleurs que nous avons fait pour vous. Désolée, je suis allergique au pollen. Je ne supporte pas les fleurs. Vous pouvez les mettre un petit peu plus loin. Dommage. Bon, elles serviront à la servante pour décorer la salle du banquet. Merci. Bon, nous sommes les chevaliers enquêteurs et nous voudrions comprendre quelque chose à toutes ces disparitions. Ah ben ça va mieux. Ah, je suis contente de vous voir. Mais vous savez que je suis inquiète. Le garde, il a complètement disparu. C'est mon ami. C'est un copain, c'est mon meilleur copain. Oh, parfois, on joue aux cartes ensemble. Et puis c'est moi qui lui fais ses costumes. Un jour, il a offert un oiseau rieur au prince. Ah, il est gentil, garde. Vous pouvez nous dire des choses qui nous aideraient? J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Il y a quelque temps, mon ami le garde est venu me voir pour que je lui rende un service. Il voulait que je fabrique un costume de roi pour que le prince se déguise. Et puis pour lui, il voulait un costume de bouffon. Oh, le garde, il invente toujours des jeux pour que le prince ne s'ennuie pas. Alors moi, j'ai cru que c'était un nouveau jeu. Ça aussi. Mais ce n'était pas un jeu? Ben non. Et le fameux matin des disparitions. Eh ben, j'ai aperçu le garde et le prince portant les costumes que je leur avais faits et fuyant vers la forêt. J'en croyais pas mes yeux. J'avais très peur aussi. Et puis, après, j'ai entendu la reine hurler. Alors, j'ai hésité. Et puis, quand j'ai rouvert la porte, j'ai juste aperçu le magicien qui rentrait chez lui et le serpent qui finissait d'avaler quelque chose d'énorme. C'est tout. Et vous n'avez pas eu de nouvelles du garde? Ben non, aucune. Oh, j'espère que rien ne lui est arrivé. C'est que c'est dangereux dans la forêt. Il y a des monstres à grandes dents. Ah, pourvu que vous le retrouviez. On va essayer. J'ai un service à vous demander. Et comme vous êtes des enquêteurs, je pense que vous pouvez m'aider. J'ai reçu cette lettre, mais je ne sais pas qui me l'a envoyée. Bonjour, madame la couturière. Pour le festin du roi, j'aurais besoin que vous me prépariez une jolie robe avec une capuche. Signé, mon premier est à moi. Mon deuxième se tient tranquille. Mon troisième se respire. Et mon tout est une habitante du château. Alors, si vous pouviez m'éclairer, afin que je puisse réaliser une robe à la bonne taille. Oh. Les chevaliers enquêteurs sont très forts pour les charades. Je vais voir avec eux et je vous réveille. Oh ben merci beaucoup. Et au revoir. Merci. Allez, on y retourne. Ainsi donc, le prince et le garde seraient sortis du château en courant. Voilà qui pourrait nous aider à avancer dans notre enquête. Mais nous n'allons pas gâcher ces jolies fleurs. Demain, je les donnerai à la servante. Comme ça, avec, elle pourra décorer la salle du festin pour les fêtes du roi. En parlant de demain, il faudrait que l'on trouve la réponse à la charade que nous a donnée la couturière. Voyons voir. Mon premier est à moi. Mon deuxième se tient tranquille. Mon troisième se respire. Mon tout
est une habitante du château. Je compte sur vous. Allez, à demain pour de nouvelles aventures au royaume de la Berlune.